Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Metal Alliance. Donc ce soir, nouvelle interview. Donc je serai avec les Français du groupe Temp. Donc messieurs, je vous laisse vous présenter déjà à notre public. Ok, bah écoutez, salut à tous. Donc nous sommes TEMP. Donc nous sommes un groupe de rock metal chant français du Val d'Oise du 95. Et voilà, donc nous venons aujourd'hui de sortir de notre deuxième EP et justement on va en parler quoi. Ouais. Alors Voilà. Toi c'est David. Donc moi c'est David. Voilà, c'est ça aussi je disais. Donc toi, David, voilà, je suis fondateur du groupe à la base. Voilà. D'accord. Il y a quelques temps maintenant. Voilà. Et puis, monsieur en dessous, je te laisse te présenter aussi. David, il a pas précisé, c'est le guitariste. D'accord. Ouais, guitariste. Et moi, c'est Gilles, je suis le bassiste. Voilà. Le dernier arrivé dans le groupe. D'accord. Ok. Donc, justement, dans notre première partie, on va parler un petit peu du. Justement, on va parler du groupe, comme on fait d'habitude. Si jamais Ouais. je prendrai les réactions des gens, des commentaires en live. Donc il faut juste que je voie où c'est, parce que je vois qu'ils ont tout changé. Je viens de voir que ça a changé, donc il faudra que je chope les commentaires. Donc voilà. Ah les commentaires, ils sont là dans la petite fenêtre. D'accord. C'est tout bon. Ah, je vois que des fois, il y a des coupures. Ouais, des fois, le Facebook Live, il est un peu timide. Donc voilà. Alors, vous venez d'à côté de Paris, hein, c'est juste? C'est ça, ouais, on est du Val d'Oise. Du Val d'Oise, très bien. Et puis alors, David, explique-nous comment s'est fondé le groupe, Jean. Comment vous avez commencé? Ouais, bien sûr. Écoute, j'avais une très grande envie de monter un groupe depuis on va dire très 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 longtemps. Bon, la musique, elle est revenue un petit peu par hasard vers la trentaine. J'ai été par hasard, ça s'est fait par hasard en fait, hein. J'ai postulé dans différents groupes et puis j'ai dit écoute, je vais monter mon projet. Pendant 3 ans, ça a un petit peu ramé parce que c'était un petit peu dur de trouver, on va dire, le chanteur, surtout en français, hein, c'est un petit peu rare. J'ai persévéré et puis au final, le line-up s'est fixé il y a 2 ans et demi maintenant, avec l'arrivée du chanteur, donc Mathieu, qui correspondait exactement on va dire, à ce que je recherchais, quoi. Voilà. D'accord. Côté, des influences, c'est des influences de Le Fofora, Massisteria, plein de groupes de la scène française que D'accord, j'aime ça beaucoup, quoi. on en parlera gentiment après quand on abordera votre nouvelle EP, comme tu as dit, qui sort aujourd'hui. Donc s'attendre au pire. Voilà. Et Ouais. puis toi, Gilles, petite question, comment es-tu arrivé dans le groupe? Tu m'as dit que tu étais le dernier arrivé. Comment ça s'est passé? J'ai regardé une annonce, c'est tout. En fait, je venais de quitter un groupe et donc je recherchais un groupe, pas forcément de métal. Hein, ça fait le métal. Je suis pas un adepte absolu du métal. Je suis dans plein de styles de musique et dont le métal. Et j'ai vu cette annonce, voilà. Et puis c'est aussi bête que ça. Hein, j'ai répondu, on s'est vu et puis petit à petit, les choses se sont faites petit à petit, voilà. Très bien. En gros. Voilà, parce que d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire temp, TEMP en fait? Thème, c'est le chanteur qui a trouvé ce nom de groupe, parce qu'à la base, David, son projet, ça s'appelait M Fusion. Son souhait, c'était de faire un peu plus de la fusion. Je crois que David, il est un peu comme moi, il aime bien voilà, la fusion 90, qui n'existe plus trop, mais bon, enfin voilà. Et on a envie de quand même que ça perdure au moins au sein de notre groupe, on essaye. La tournure que ça prenait avec le chanteur, il fallait trouver un nom un peu plus. Voilà, M Fusion, c'est pas bon. Un peu plus sérieux. C'est le chanteur qui a eu l'idée, je sais pas comment en fait. Mais voilà, TEMP, c'est un acronyme. Un acronyme anglais, alors qu'on fait de la chanson en française. Et voilà, ça veut dire, je te le fais en français, ou ça veut dire Trivial Engine for Metal Players. Voilà.
Tribal Engine, Dans c'est moteur tribal pour joueur de métal, on va dire. Voilà. D'accord. Moi, ouais, c'est un nom assez original. Ouais, on aime bien. C'est vrai. Donc Oh, c'est cool. ça a vite convaincu le groupe. Très bien, c'est sympa. Donc, bah, sans plus attendre, bah, maintenant, on va parler un petit peu de justement bah, de l'EP. Donc, l'EP est sorti aujourd'hui, c'est juste, hein. Tu m'avais dit aujourd'hui Ouais. midi. Donc, il est sorti Ouais, en. donc en fait, on a sorti un premier EP au mois de décembre, donc un 6 titres. Voilà, et là aujourd'hui, ben, on a ressorti un autre 6 titres, dont on est super super fier. Et voilà, on a hâte de que les gens l'écoutent, le découvrent. Donc là, c'est un peu la reprise, hein, c'est un peu la reprise pour tout le monde. On va essayer de le défendre, déjà dans un premier temps, au mois d'octobre, on va le défendre sur les réseaux sociaux. Et puis on va voir pour novembre-décembre pour faire quelques dates, quoi. Voilà. D'accord. Question, il est sorti Donc, au, il est sorti que sur les plateformes numériques ou vous l'avez aussi sorti en physique? physique Il aussi. a fi D'accord. sur notre page Facebook, la boutique Facebook, il y a un lien vers également le premier EP, le deuxième EP, des t-shirts, voilà. Donc les gens Tout est peuvent, possible. s'ils vont sur notre page Facebook, ils peuvent se le procurer sans problème, quoi, au prix de 5 euros, quoi. Bon, voilà. Pas de L'idée, souci. c'est aussi de nous aider, hein, parce que voilà, on essaye de s'autofinancer, hein. Donc on essaye de. Bah, le physique, c'est important, hein, c'est voilà, hein, Ouais. Bah le ça métalleux en reste général est très important. collectionneur, donc oui, physique est quand même important. C'est Même ça. si Donc hop. l'idée aussi, c'est de le vendre aussi par notre biais, hein, en direct, lors des concerts, ou même en direct, via notre boulot, etc., quoi. Mais on laisse quand même la possibilité aux gens de streamer notre musique et de la partager, voilà. Il est streamé dans toutes les plateformes, hein, de toute manière. On peut l'écouter partout, Spotify. Il y a un petit souci sur Deezer, là, il n'y est pas actuellement, mais sinon, Spotify, YouTube, partout, quoi. Donc très bien, donc ça fait quand même assez rapproché, hein. Ça fait quasiment deux EP, on va dire, en 8 ou 9 mois, hein. Donc Ouais, ça ouais. fait Ouais. vite. Ça aurait pu être un album, Ouais, mais on a préféré faire comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est j'allais que poser la question. on a finalisé la line-up du groupe. D'accord. C'était juste avant le Covid, on a réussi à faire deux concerts avant le Covid, mais ensuite il y a eu le Covid, dont on a été bloqué à la maison. Alors on en a profité pour, voilà, pendant le premier confinement, pas rester sans rien faire, on a enregistré le premier EP. Voilà. Et du coup, alors qu'on croyait que fin 2020 ça allait peut-être démarrer, ça n'a Ouais, pas comme tout le redémarré monde. franchement. Et puis en avril, il y a eu le deuxième EP qui se coule, donc on a fait le deuxième EP, vu qu'on avait quand même travaillé, on travaillait les compos quand même, quoi. Voilà. Mais on aurait pu faire être plus patient et attendre de faire un album, mais on a trouvé que c'était pas mal le format EP 6 titres, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, effectivement. Donc vous êtes autofinancé, donc vous n'avez pas de label, hein. On est d'accord. Non. Non, non. Ouais. Si on a un label Temp Production. Voilà, Voilà. ouais, voilà, d'accord. C'est votre propre label, effectivement. Donc, bah justement, parlez-nous. Enfin, je vais te poser la question. C'est quoi un peu vos influences, justement, dans TEMP? Alors, c'est très varié, hein. Donc pour ma part, donc c'est c'est toute la scène, on va dire, néo-metal française. Bon, Massisteria, je suis très très fan. Pas mal de groupes américains aussi. Limp Bizkit, des trucs comme ça. C'est assez large, en tout cas, c'est ce que je veux faire musicalement. Après, Fred, notre guitariste soliste, est très Van Halen, très années 80, voilà. Ah bah s'il est soliste, Jérémy, notre batteur. Comment? je dis s'il est soliste, hein, ça c'est clair que des influences comme Van Halen, Ouais, carrément, ouais. exactement, ouais, Il des aime influences comme Van beaucoup Halen. faire des sons. D'accord. Au niveau de la batterie, Jérémy, des influences Il aime bien le Trivium. rock progressif, quoi. Rock progressif, Ouais. vachement années 70. Il adore Genesis, par exemple, mais pas que. Ah, Hein. Il aime c'est bien ça. le rock progressif. Il aime bien aussi des groupes comme. Comment il s'appelle ce groupe-là? Perfect Circle, je crois. Non, Porcupine Tree ou Perfect Circle, un des deux. Les Ouais. deux, je crois qu'il aime bien les deux, voilà. Tout ce qui est un peu prog, il aime beaucoup.
Voilà. Et puis moi, je suis un peu comme David, hein, j'écoute beaucoup de musiques différentes, donc du coup j'ai été vachement attiré par la fusion des années 90. Voilà. Le fait qu'on mélange la funk, le rap, le metal, c'est ce qui m'a le plus plu. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment des horizons différents. Et le chanteur, par contre, lui, je pense qu'il vient plus de la scène hardcore. Et puis il est fan, il est vraiment très fan de Lofofora. Et je pense que bon, sur son chant, ça s'identifie un petit peu, quoi. Il nous Non, il a semble. des influences, il a des influences qui viennent du rap aussi. Beaucoup, beaucoup. Exact, exact. Il aime Du beaucoup le rap. rap. Ça se voit dans son chant aussi, dans son placement rythmique. Exact. Ouais, c'est ce que je voulais vous demander parce que bon, c'est clair que bah j'ai écouté votre EP, hein, je l'ai survolé. Et puis c'est clair, bon, on entend Ouais. la grosse influence métal, ça c'est clair, elle est bien là, c'est bien groove, c'est bien lourd, mais on entend que le chant est parfois entre hurler et parler en fait. Ouais, Donc c'est ça. c'est ça C'est ça, c'était il est un petit peu. Il est un petit peu. Alors il commence à se mettre à chanter, voilà. Mais ça évolue beaucoup. Et puis on tient aussi à ce que les gens captent et comprennent ses textes aussi, quoi. Parce que c'est vrai qu'il écrit tout lui-même. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous qu'au-delà du scream, qu'on comprenne le sens des chansons, quoi. justement, bah, je viendrai après ces paroles. Là, je veux plutôt m'atteler déjà. On va continuer peut-être sur la musique. Comment ça se passe les compos dans votre groupe? Gilles, je laisse. Ouais, si tu veux, disons que vu que le projet de David, il était déjà plus ancien, hein, de 2015, ça datait à peu près. Il avait quelques esquisses quand même en stock. Donc, on a retravaillé. C'est surtout avec l'arrivée deuxième guitariste Fred, avant le chanteur et moi, voilà, les compos se sont développés. Et ensuite, on compose vraiment, mais complètement en groupe, c'est-à-dire on compose en répète beaucoup. Quelqu'un amène un riff, et puis l'autre enchaîne sur, bah tiens, moi j'ai envie de faire ça. Et puis on essaye vraiment de faire des choses assez différentes, voilà, que ce soit très. Que chacun se fasse plaisir, vraiment pas forcément se suivre, et puis chacun amène sa patte. Et le chanteur, il est vachement à l'aise sur les compositions. Lui aussi, il doit avoir un stock de paroles aussi, mais il les adapte, il en crée de nouvelles sur le moment. Et puis vraiment, tout se fait au moment de la répète. C'est quand on dit c'est vraiment une composition de groupe, c'est vraiment une composition de groupe, quoi. Puis chacun, D'accord. c'est un qui va amener un riff ou une idée, et puis ça peut être pour l'autre compo, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que, en fait, il nous semble que quand on écoute l'EP, il y a pas les morceaux, ils n'ont pas forcément une ligne directrice, quoi. Hein. C'est assez différent, quoi. Non, après, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est vrai que comme le projet avait démarré quand même depuis pas mal de temps, Ouais. il y avait des compos qui étaient là, que j'avais amené au groupe, plus ou moins. Donc ça se ressent quand même pas mal sur le premier EP, un peu plus sur le premier EP, pas forcément sur toutes. Mais sur les toutes dernières compos, et sur les dernières compos, là c'est plus justement ce que dit Gilles, un travail de groupe qu'on a fait. C'est vrai que nous on compose vraiment ensemble, c'est-à-dire que les guitaristes amènent des riffs, et ensuite on tisse, on brode le truc directement en répète. Et là, ça là-dessus, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est très très artisanal. On n'est pas devant un PC à pondre le truc par une personne précise. Hein. C'est chacun amène. Et là, sur la toute dernière compo qu'on a fait, parce qu'on est assez productif quand même dans le groupe. Hein, ça va de plus en plus vite. Hein, donc, je sais pas si on va pas pondre 12 compos par an, mais en tout cas. En tout cas, c'est vraiment, voilà, on compose vraiment tous ensemble, comme dit Gilles. On va assez vite, ouais, c'est vrai, mine de rien. Les 12 morceaux, on a fait ça, hein, on répète qu'une fois par semaine, hein, et pas beaucoup, hein, je crois que c'est 2 heures. Après, de temps en temps, il y en a qui se voient en dehors un petit peu pour finaliser des détails, notamment les deux guitaristes, voilà, pour finaliser des détails harmoniques. 12 morceaux, on va dire un an et demi, quoi, ça a été fait. Donc on trouve que c'est pas mal, quoi. Très bien, ouais, c'est vrai que comme vous dites, vous avez été beaucoup Avec productif. le Covid. D'accord, justement, je voulais demander si on voit que vous êtes quand même pas mal productif malgré
malgré en France que le Covid vous a quand même tenu un moment éloigné, je pense. Ouais, ben oui, le premier confinement, de toute manière, on répétait pas du tout, hein. C'était, il y avait le, comment on appelle les restrictions. Enfin, on pouvait pas se déplacer du tout pendant tout le printemps, je me souviens, 2020. Après, ça a été un petit peu, voilà, les studios n'ont pas forcément rouvert, mais on se débrouillait en se voyant chez le guitariste qui a dans le sous-sol du guitariste pour continuer quand même à travailler et surtout pas perdre le fil et la motivation. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu quelques petites réactions sur Facebook. Donc, ouais, si jamais, David, il y a un petit décalage 300 millisecondes avec YouTube, si tu suis, avec Facebook, si tu suis. Par contre, je vois des fois que de Facebook, il fait un peu yo-yo aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a Valérie qui demande si on peut avoir un extrait. Alors, malheureusement, ce serait mon idée de mettre des extraits. Mais la seule fois où j'ai fait un essai en blanc sur un groupe bidon que j'ai créé pour tester. Si on passe un extrait, Facebook nous shoot. Donc voilà, dès qu'il y a des extraits de musique, il y a de grandes chances qu'ils nous Non, shootent mais le live. je peux lui mettre le lien de notre. Voilà. Je peux mettre dans les commentaires le lien de Ouais. notre album YouTube. YouTube, c'est un accès gratuit, donc je peux aller Ouais. chercher Bah, ça. Voilà. j'avais mis moi dans les Ah oui, bien commentaires. sûr. Donc voilà, mais ce serait une de mes grandes envies de pouvoir mettre effectivement des. D'introduire des bouts de clips ou quelque chose comme ça, mais les deux fois où j'ai essayé, Facebook m'a shooté malheureusement. D'ailleurs, petite anecdote, Metallica avait diffusé un live sur Twitch, donc eux-mêmes, et ils se sont fait couper par Twitch. C'était assez rigolo. Voilà, je sais pas si vous avez vu passer dans la presse. Mais non, Non. mais alors, mais seulement un extrait pour Valérie, puis sinon, salutations à Claire qui nous a dit bonjour, voilà. Ouais, Claire, c'est ma cousine. C'est ta cousine. Ah bah merci de nous regarder. Un petit coucou. Claire qui était venue d'ailleurs nous voir à notre premier concert. Elle avait fait un bon bout de chemin pour venir nous voir. Très bien, bah justement, bah on va parler un petit coup des paroles. Et puis après, bah on parlera aussi comment s'est passé le studio. Mais d'abord parlons des paroles. Donc c'est le chanteur qui écrit les paroles ou bien c'est le groupe qui écrit les paroles, vous lui donnez un avis, Non, non, comment c'est le ça se passe? chanteur. Hein. Mathieu écrit tous ses textes, hein, donc, sauf un que j'avais fait et qu'il a repris sur Prépare-toi, qui est sur le dernier EP, mais sinon il écrit tout. Et il écrit même pendant qu'on compose, quoi, en fait. Hein. Il est D'accord. derrière sa feuille, clac, 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 il vient l'inspiration lui vient comme ça, Ah ouais. naturellement, quoi. Hein. D'accord. Je crois que c'est. Et vu qu'il parle de tout, je veux dire, on n'est pas, voilà, bon, jusqu'à présent, on n'est pas un groupe hyper engagé, parce qu'il y en a beaucoup, hein, notamment dans la scène métal française, et ils font très bien, hein, ils le font très bien, mais on n'est pas hyper engagé. Quand tu es un groupe engagé, c'est assez limitatif, quoi, les sujets abordés. Et là, ce n'est pas le cas. David, il aborde, pardon, David Mathieu, il aborde à peu près tous les sujets. Vraiment, on parle de tout, hein, donc c'est pour ça que c'est assez, il est très prolixe. D'accord. Bah justement, bah est-ce que c'est lui déjà le qui c'est qui a trouvé le titre justement de l'album, S'attendre au pire? C'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est le titre de la première chanson de l'EP qui va être le clip en fait. Le clip qui arrive dans très peu de temps en fait, hein, d'ici une semaine peut-être, je sais pas, on va faire des annonces. Mais c'est Mathieu, ouais, on a repris le titre on va Je trouvais dire que de la c'était le première. meilleur, ouais, le morceau Voilà. phare, donc qui nous. Voilà. Et puis justement, Qui nous plaisait le plus, quoi. pourquoi ce titre justement s'attendre au pire? C'est à cause de la crise Covid ou bien il a orienté ses paroles un peu par rapport à des choses Non, en ce c'est pas le moment? sujet Covid, c'est pas le sujet Covid, c'est plutôt le sujet, comment dire, de la mainmise de certaines personnes autour de la musique qui voilà profitent un petit peu de la faiblesse des artistes, quoi. Voilà. De l'obligation des artistes de passer par eux et voilà de la difficulté pour les petits groupes de trouver leur voie sans se faire exploiter. D'accord, ouais, donc ça vise un peu les gros labels, quoi, on va dire. Par exemple, quand tu verras le clip, ouais, ça sera plus parlant, ouais, effectivement. Non, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de Ouais, et puis choses. c'est plus général aussi, hein. Ouais.
D'accord. Ouais. Bon. Non, mais oui, effectivement, pour pas se le cacher, une fois, je pense que je ferai une émission spéciale là-dessus, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui payent leur place dans les labels et puis qui payent aussi pour jouer, pour arriver à quelque chose. Donc, finalement, est-ce que c'est le talent qui nous met en haut ou est-ce que c'est l'argent? C'est un peu ça qu'on pourrait dire. C'est ça. Bah, comme Bon, dans tout. t'es obligé de payer pour enregistrer, pour avoir un manager, pour avoir, en fait, tu payes d'abord, quoi. C'est Ouais. ça. Et après, donc du coup, c'est des machines à cash, quoi. Tu sais, c'est comme les clubs de foot qui te prennent ta licence, quoi. Ils prennent tes gosses juste pour avoir l'argent de la licence, quoi. C'est pareil. D'accord. Non, c'est intéressant. Puis sinon, dans les autres titres, ils parlent un peu de quoi? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ah, vas-y, David. Jour de loose. Bah écoute, il raconte un petit peu le parle une remise en question par rapport à un mec qui a vraiment une sale période quoi une sale période qui se on va dire qui se met un gros coup de pied dans le derrière et puis qui essaye d'aller de l'avant enfin il aborde plein de sujets différents quoi c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prépare-toi, c'est le texte que j'ai pondu. Donc là, c'est plus. Là, c'est un peu plus. Pas engagé, mais un peu plus Si, c'est politique, ouais. lofoforesque, quoi. C'est grosso modo. Là, on voit que. Bah, ouais, comme dirait Renaud de Lofofora, le cauchemar recommence perpétuellement, quoi. C'est-à-dire que. Bah, voilà. On va dire que l'humanité va de De mal en un pire. éternel recommencement quoi voilà ça Il parle y a un autre titre où il part des vacances, quoi, tout simplement. D'accord, Voilà. sympa. Tu vois, ça peut être très léger. Oui, La difficulté de difficulté ce qu'on fait en vacances. Voilà. oui, bah, ça peut être intéressant voilà. aussi, hein, donc Vacances à l'arrache. voilà. Sinon, bah justement, bah, comme tu as dit avant, vous avez dû enregistrer cet album. Donc où est-ce que vous avez enregistré votre album? Donc on a travaillé au Lower Tones Studio, donc juste à côté de chez nous, chez Edgar Chevalier. Donc Edgar Chevalier qui travaille beaucoup avec des groupes de métal, hein, de rock et de métal. Et donc on avait plusieurs choix au départ et on s'est dirigé vers lui. On a vraiment, vraiment fait le bon choix parce qu'il correspondait exactement à ce qu'on recherchait. D'accord. Voilà, donc il est juste à côté de nous, on répète à Éragny, lui il est à Aubonne. Ouais, Aubonne, hein, c'est ça. Hein. Donc Ouais, je crois qu'il est à Aubonne. Ah il a bah pris. Il tu a sais, pris juste petite anecdote, il y a une ville qui est à une demi-heure chez moi qui s'appelle Aubonne. Donc voilà. voilà. Donc Ah, à précis. préciser Aubonne en France, parce que si on dit Non, Aubonne, bah, ça. on n'est pas allé là, hein. On n'est pas allé là pour enregistrer. C'est justement, Ouais. c'est entre Lausanne et Genève, voilà, ce qu'on discutait avant. Voilà, vas-y, excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, et donc Edgar a pris le temps qu'il faut pour nous faire du bon boulot, du bon taf. Il nous a bien écoutés et on est très content du résultat. Voilà, très très content du résultat. Et il y a des chances qu'on fasse, si on fait un album, bien sûr, hein, qu'on travaille encore avec lui. D'accord. Et Voilà. d'accord. Puis comment ça s'est passé l'enregistrement? Vous avez été chacun votre tour. Comment ça s'est déroulé Et puis sur combien de temps vous avez enregistré? On a fait d'abord une prise de live avec Métronome et une prise de live pour avoir une prise témoin, pour un D'accord. petit peu avoir la dynamique. Mais je suis même pas certain que. Ah, et après, ça a été la batterie. Je suis même pas certain que Jérém, le batteur, s'en est servi, quoi. Je suis pas sûr. Je ne sais pas s'il a enregistré avec la base de cette prise de live, je crois pas. Mais sinon, bon, on connaît parfaitement les morceaux sur le bout des doigts. Donc voilà, ça a d'abord été le batteur. Puis, si je me trompe pas, ah non, c'était pas moi, je crois. Hein. Il y a eu des guitares avant la basse. Je me trompe, David? Non, 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 je crois que Gilles, t'as fait des basses d'abord. D'abord les basses, d'accord. Puis les Ouais. guitares, puis le chant, puis les chœurs, voilà quoi. C'est dans l'ordre, ouais, effectivement. Ouais, l'ordre classique, quoi. Et D'accord. on a trouvé
Même au niveau de la batterie, etc., il y avait quelques petites choses qu'on a réglées avec Edgar. Voilà, Edgar cherchait aussi au niveau faisait des recherches au niveau du son aussi, en particulier au niveau des guitares, c'est pour que Il ça a été colle actif vraiment. aussi, ouais. Il a Mais été il a. actif sur notre. Il nous a un petit peu guidés sur des choix aussi, ouais. Vraiment, il n'a Ouais, pas fait que. il a capté exactement, il a capté exactement ce qu'on avait envie de faire en fait. D'accord. Ce Parce qu'on avait envie que. de proposer, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez modifié quelque chose en studio? Est-ce qu'il vous a apporté un peu d'expérience? Ou bien. Justement, on a. Ouais, il y a eu des petits détails qui sont faits en studio qui sont vachement importants. Et ouais, on a pris le temps de faire des petits détails, de rajouter des petites choses, des placements au niveau de la whammy, par exemple moi. Voilà, il y avait des endroits où il fallait bien placer la whammy, le délai qu'on a rajouté sur Satan Dropir, là, qui rajoute un petit truc. Ouais, même au niveau du chant, il a fait un super taf avec Mathieu. Au niveau du chant, on est super content. Ouais, il a apporté pas mal de choses. Hein. Mais la base, elle était là. Hein. Ça, c'est Okay. clair. Hein. Les compos, elles étaient rodées. Et vous avez enregistré sous combien de temps? On a mis combien de temps? 2 semaines? Ouais, peut-être une semaine, je crois. 6 jours. 6 jours après le mix. 6 jours d'enregistrement et le mix difficile. Mix Deux master. jours. Deux, 3 jours. Et puis le master, par contre, il a fait tout seul. Voilà. Pendant le mix, justement, pendant la phase mix et master. Est-ce que vous avez travaillé un peu avec lui ou bien vous lui avez laissé un peu carte blanche pour que lui fasse le son Que le mix. Non, 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 D'accord. le mix, on a participé. Non, non, on a D'accord. participé. Et puis évidemment, il a son expertise. Hein, donc, on l'a beaucoup écouté, mais on a aussi dit ce qu'on voulait comme type de son, hein, sur les équilibres, sur Exactement. les sons de chaque instrument. Par contre, non, le master, non, on l'a laissé. On n'était pas là. Voilà. Il nous a rendu un produit et puis il nous a dit bon, si on pouvait toujours revenir vers lui si on n'était pas satisfait. Mais non, on a trouvé ça nickel tout de suite, quoi. D'accord. Toi, tu joues avec quel type d'ampli de guitare? Juste comme ça, David. Alors moi je joue sur j'ai une tête d'ampli Orange D'accord, ouais. et donc c'est un Orange à transistor qui fonctionne très très bien. Voilà, mais j'envisage de passer peut-être sur du lamp. Et ma guitare je joue sur une Gibson Les Paul Suprême qui est ma guitare fétiche, enfin Et magnifique puis quoi, tu as quel accordage? classique quoi, un Standard mi accordage quoi. classique. Ouais, alors nous on a la particularité, on a deux guitares, donc Fred lui joue sur une 7 cordes, Ah donc il est d'accord. accordé plus grave que moi, et moi je suis voilà, donc on cale nos guitares comme ça. Et même au niveau du son, si tu veux, Fred, il joue sur une Ibanez 7 cordes, il a un son, on va dire, plus en profondeur, assez métal, alors que toi, Fred. Toi, David, il a une Gold Top, une Gibson Gold Plus Top rock. qui, ouais, plus rock, voilà, pour essayer de ne pas être sur les mêmes fréquences, quoi, et voilà, et créer autre chose. Voilà. Non, justement, Pas que ça se mélange. c'est pas bon. Moi, je dis ça parce que je suis guitariste. Puis justement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un son assez profond, assez lourd. Mais il y a aussi un son un peu plus rock mélangé. On entend un peu ce mix effectivement, des deux guitares. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de On te poser la rassure, c'est question. volontaire. D'accord. Ouais, non, C'est non, mais vraiment ce ça qu'on donne recherche. bien, ça donne une palette large, ça donne une palette de profondeur assez profonde. D'ailleurs, est-ce que c'était quoi finalement, c'était quoi vos objectifs de son? Est-ce qu'il y a un groupe Bah, qui vous. nos objectifs en termes de sonorité, bah, Ouais. faut que ça quand même que ça renvoie, mais Ouais. tout en gardant un son pas trop trop moderne. Dynamique. Pas trop moderne, mais un peu pas vintage, mais un peu à l'ancienne, quoi, avec du D'accord. grain, quoi, qu'il y ait du grain, Ouais, quoi, dans d'accord. nos Du grain, batteries. du dynamisme. Le premier EP qu'on a fait, le master, avec le premier gars qui nous a fait ça, on avait écouté plein de trucs. Et on lui a dit ce qu'on voulait surtout pas. En fait, on voulait pas le mur du son, quoi. Tu sais, où tout est. D'accord. Et tu vois, par exemple, je sais pas si tu as remarqué, mais la basse et la guitare jouent pas les mêmes choses. Tu sais, souvent la basse et il y a des groupes où
Les deux guitares jouent la même chose, la basse joue la même chose, ça fait mur du son, c'est pouf, tu vois, il n'y a même pas de D'accord. stéréo et tout. Bon, je dis pas que c'est pas bien, c'est un choix, Bon, on voulait théoriquement, pas la ça, basse, voilà, on c'est. voulait du grain et du dynamique, voilà, Bah, et que tout s'entende. ouais, non, mais justement, c'est bien parce que justement, je suis un peu sous le son parce que je pense que c'est important sur votre album. Parce que justement, comme j'allais y venir, on voit que qu'il y a un jeu de basse assez funk, hein, donc ça, je trouve faut bien le dire. Donc, c'est-à-dire que tu entends bien la basse qui se démarque des guitares, donc ça fait un subtil mélange. Puis je pense que, comme l'importance du réglage du son, comme tu dis, si c'est le mur du son, je pense que. Sans tes termes, je pense que ça aurait beaucoup moins bien donné, parce qu'il faut le dire. Ah, ça aurait été une bouillie, je pense. Ouais, mais Ouais. bon, il faut le dire, je pense que ça aurait moins rendu l'expression sur la basse, tu vois. Donc, non, je pense que, bah, j'écoute, faut le dire, hein, le son est relativement bon, donc c'est pour ça que j'aime bien un peu décortiquer. Franchement, vous auriez mis 2-3 morceaux de plus, ça aurait fait un bon album, mais vous avez choisi l'EP pour les raisons que vous avez dit avant. Mais c'est un son qualité album, c'est un EP, mais c'est un son album, quoi. Donc je pense que si par le futur vous allez avec ce monsieur, je pense que ça pourrait donner un très bon Ouais, album. l'idéal, ça serait d'avoir la possibilité de passer un peu plus de temps avec lui, de prendre un peu plus de temps pour faire. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus passer trop trop de temps parce que des fois on peut se perdre. Mais ouais, d'avoir un peu de temps pour approfondir les choses avec lui parce que c'est vrai que. Avec, non, en plus, il est guitariste, hein, Ah. Edgar, c'est un guitariste, hein, donc c'est un musicien, hein, il fait des concerts, il est D'accord. d'ailleurs guitariste d'un groupe qui s'appelle Demande à la poussière. Ah oui, C'est d'accord. quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Ah, tu connais a priori. Oui, bah, Demande à la poussière, je les ai eus en interview, donc. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ah, salutations. Ah, d'accord, ouais, c'est Demande à la poussière. C'est un passionné, quoi, ça se sent, quoi, Oui, et il oui. nous correspond vraiment bien, quoi. Qu'est-ce qu'il est cool? À l'écoute, il est cool. Il est tranquille, hein, vraiment. Ouais, C'est c'est assez agréable cool. de travailler avec lui. Et Demande à la poussière, qui sont des gens très sympas, que j'ai eu en interview aussi, qui a un très bon groupe, bon, dans un autre style que le vôtre, hein. Complètement, ouais. On va dire, c'est plus Différent. lourd, plus calme, hein, mais voilà, comme tu le dis, c'est différent. Donc, revenons un petit peu sur votre EP. Ce qui m'a intrigué, c'est la pochette, la couverture. Est-ce que vous avez fait vous-même cette couverture ou bien... D'accord. Oui. Qui c'est L'idée, qui en a eu c'est l'idée? Parce que à ça... la base, Elle est assez rigolote. l'idée, c'est parti de. Ça devait coller avec l'histoire de S'attendre au pire du clip. Ok. Et bon, les premières ébauches du scénario du clip, Ouais. voilà, étaient un peu. Qui devaient correspondre à la pochette, c'était un peu trop violent, on s'est dit, voilà. Et certains membres du groupe ont dit, bon, on va essayer de faire les choses plus imagées. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, de discussion en discussion, il y a eu cette idée. Et puis, c'est le chanteur qui a pris en photo ses gamins. Et voilà, l'idée, bon, comme tu le vois, hein, c'est. Comment expliquer? C'est très tôt, ça montre la fascination pour. Tellement on est abreuvé d'images et d'informations dès le plus jeune âge, je pense qu'ils ont parfois pas conscience de l'impact de tout ça. Et voilà, la violence qui peut se dégager très tôt chez quelqu'un. Et puis voilà, D'accord. avec l'autre gamin qui filme, voilà, comme si c'était un simple jeu, quoi. C'est D'accord. assez imagé. On a trouvé la pochette super sympa. Et puis bon, il y a eu le travail de photo plus voilà, après le Ouais, donc là, montage. on a laissé carte blanche à Mathieu, hein, parce que c'est Mathieu qui a vraiment fait le truc, et puis ça nous a plu, hein. D'accord. Ouais, Ça parce nous a que. plu, ouais. Ah bon, au début, je voyais un peu ça plutôt comme une opération, comme une dissection, aller rechercher quelque chose, tu Ah. vois. Ça, ouais, moi, Non, j'ai tu pas vois, vu t'as la vu, ils chose comme sont. ça. Non, pas du tout. Regarde les gamins, ils ont bandana et tout. Ils torturent un doudou, leur Ouais, doudou. leur Ils doudou. ont 10 ans, ils torturent leur doudou. Et puis t'as l'autre qui est en train de filmer l'opération.
Je veux dire, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Je dis pas, c'est pas une critique de la société. Moi, je suis pas, on n'est pas du genre à dire c'était mieux avant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est que c'est vrai que la fascination pour la violence, ça va très vite, La tout va très banalisation, on vite. Et pourrait puis, même dire. Ça y est, il y a le réflexe des, il y a le réflexe des gamins qui tout de suite prennent, ou des gens, pas des gamins, des gens qui vont prendre le portable pour filmer avant même de se poser la question si s'il y a besoin d'aide ou pas, par exemple, tu vois, c'est. Ouais. D'accord. Ça correspond un petit peu. Et on la trouve un petit peu punk, la pochette, un petit peu début des années 90, tu vois. C'était c'est D'accord. artisanal, hein. D'accord. Très bien. Justement, je voulais savoir qui c'est qui avait fait là, un peu la pochette du CD. C'est fait maison. Ah, oh, et j'ai bossé dessus aussi quand même. C'est moi qui fais la pochette, le montage. Ok. Voilà, le montage photo, c'est à l'aide des photos de Mathieu. Bon, s'il te plaît. Ah, mais c'est fait maison quand même. Ah, c'est fait Ouais, maison. donc Donc là pour on n'arrive l'instant. pas à le faire maison, quoi. D'accord. Et puis j'avais une question. Bah, là, vous avez, vous sortez maintenant au mois d'octobre, donc ce CD, mais enfin ce, oui, ce CD, cet EP. Mais est-ce que vous n'êtes pas dit peut-être d'attendre un petit peu plus longtemps pour voir si vraiment les concerts pourraient être maintenus, si est-ce que vous n'avez pas quand même hésité un peu? Non. Non, non, parce qu'on pense quand même que bon, ça reprend un petit peu quand même. Hein. Là, moi, j'ai assisté à un grand concert à la Cigale la semaine dernière. Il n'y avait pas de masque. Hein. On était 1000 personnes sans masque. Bon, D'accord. on n'est pas Madame Soleil, mais bon, a priori, la couverture vaccinale fait Excuse-moi, que ça c'est les. ça a l'air de reprendre correctement. On a bon espoir. Et puis même, il faut attendre jusqu'à quand? Hein, parce que on s'est dit dans l'absolu, ça nous fera de l'activité pendant le confinement. Il faut rester actif pendant le confinement tout de même, quoi. D'accord. Ouais, parce que je vous explique. C'est ça. Bah, je précise, vu que nous on est, vu que nous on est diffusé en Suisse, en France, en Belgique et puis au Québec. En Suisse, nous n'avons pas eu de confinement. Donc, si vous voulez, ils ont fermé les magasins, comme en France, magasins non essentiels. On a eu des restrictions, les masques, mais il n'y a jamais eu de confinement où on ne pouvait pas sortir de chez nous. Voilà. Ils ont mis un couvre-feu un moment à 23 h, les bistrots fermés. Ils ont fermé un moment les bars et les restaurants, mais on n'a jamais été enfermé à la maison. Si tu voulais sortir à aller faire le tour de la Suisse puis revenir chez toi, tu pouvais. Voilà. Donc, Bah ça a été ouais, ça vive la la France. différence. Ça a été ça la différence avec une bonne partie de l'Europe. Voilà. Non mais ouais, mais après voilà, ça bon, on voit pas, je veux pas, Oui. je suis pas à leur place, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire, j'en sais rien. Puis Ouais. c'était pas la même non plus les mêmes sur les pays, il n'y a pas eu la même incidence sur les pays. Par exemple, il y a des pays qui ont été vachement protégés. Tu vois par exemple l'Italie qui a été le premier pays européen où c'était chaud. Non mais Ouais, par on contre, en est pour juste à venir à côté. à notre sujet, Oui. on a quand même bon espoir que ça va bien redémarrer là. Et d'ailleurs, ça redémarre un petit peu les concerts. On est en tractation, on va dire, pour des concerts en novembre. Ça devrait se décanter dès novembre. On est en tractation avec une boîte qui fait des, voilà, qui organise des concerts, avec des groupes aussi avec lesquels on espère faire des concerts. Donc, en novembre, ça devrait se faire. Voilà. Justement, j'avais une question là, justement, bah, votre CD sort aujourd'hui. Quelles attentes vous avez sur s'attendre au pire? Quelles attentes, c'est-à-dire à quel niveau tu Bah, voudrais est-ce être qui se qui qu'est-ce que vous espérez avec cet album? Peut-être trouver un label, faire des concerts, faire des tournées. C'est dans ce sens-là. Pourquoi Alors, pas? Pourquoi pas? Donc là, au niveau des labels, on a préféré prendre notre temps avant de s'engager avec quelqu'un. On essaie, ouais, on va commencer à, on va commencer à essayer de prospecter un peu plus de ce côté-là, pour essayer de, on va dire, de s'entourer un peu plus, d'essayer de se structurer un peu plus. Donc là, pour l'instant, on en est à faire découvrir un petit peu notre style et notre son, donc, qui est quand même là, clair, quoi. Et voilà, là, on s'est bien trouvé. Donc maintenant, on va voir, on va essayer de voir, peut-être se faire peut-être aider un peu plus, quoi. Parce que c'est vrai que bon, on fait tout par nous-mêmes, hein, donc ça prend énormément de temps, énormément Mais pour passer un cap, il va falloir peut-être qu'on songe à avoir un label, l'idée, c'est pas. un petit label, hein, mais un petit label dynamique, quoi. Hein.
On a eu des possibilités de label, mais on n'a pas voulu. On a eu une possibilité de label, mais on n'a pas voulu. Et l'idée, c'est, bon, on fait pas un album pour sortir un album et se faire plaisir, hein. L'idée, il faut qu'il soit visible. Le problème, c'est que l'album, pour qu'il soit écouté, il faut qu'il ait de la visibilité, que ce soit sur Spotify, sur Non. les playlists ou sur YouTube. Bon, tant qu'il n'a pas de visibilité, comme à l'époque quand on l'amenait dans les stations de radio, quoi. Bon, tant qu'il n'a pas de visibilité, il sera pas écouté. Donc, pour le faire écouter, je pense qu'il faut faire des concerts. Et l'idée, c'est d'abord de faire des concerts, de faire des émissions de radio et des festivals. Je pense que David aussi, tu étais en lien avec peut-être un festival. On va essayer d'abord de tourner. Le but, c'est pas de faire un album juste pour qu'il existe et que personne l'écoute, évidemment. Ouais. Non, ouais, effectivement. Sinon, bah, je vais vous poser une de mes questions classiques que je pose à tous les groupes. Donc, Donc au passage, oui. excuse-moi, au passage, on recherche aussi des dates, hein, on tient à le préciser. Ouais. Si jamais il y a des gens qui voilà, nous on est D'accord. vraiment open pour faire des dates, hein, ça c'est Ouais, clair. ça, on va parler dans la partie suivante, qui seront les projets futurs du groupe, justement. Alors, juste encore pour rester sur l'album, moi, comme j'ai dit, je vais vous poser ma petite question classique que je pose à tout le monde, que j'aime bien poser en plus. Et ça, vous pouvez répondre, chacun de vous, c'est quel est votre morceau préféré de l'EP? Alors, moi j'ai un petit coup de cœur pour Jour de Louse. Voilà, un petit coup de cœur pour Jour de Louse. À la base, c'était S'attendre au pire, bien sûr, mais il n'est pas impossible qu'on refasse un clip dans les temps à venir, un deuxième clip. Parce on a envisagé de faire les clips par nous-mêmes, donc Jour de Louse, bah, moi ça serait mon petit coup de cœur. C'est une chanson que j'avais amenée au début du groupe et qu'on a réarrangée après. On est descendu un petit peu plus bas dans les graves. L'arrangement est vraiment, vraiment sympa maintenant, quoi. D'accord. Après toi, je sais pas, Gilles. Non, mais à la base, on avait eu l'idée de faire le clip et d'axer la com plus sur Prépare-toi, parce que c'est le plus, entre guillemets, c'est pas péjoratif, le plus FM, c'est celui qui peut s'écouter le plus par le plus grand nombre. Mais en fait, tous, on s'est dit, non, c'est S'attendre au pire, il nous a mis une claque, quoi. On a trouvé, on était, tu sais, quel que soit le type d'artiste qui fait une œuvre de n'importe quoi, une peinture ou une musique, on a toujours du mal à s'écouter parce qu'on est critique, on se trouve nul, on dit ah oh là là, c'est pourri. Mais vraiment, quand on a sorti cet EP, on l'écoutait comme si c'était un autre groupe. Tous, hein, on s'est fait la remarque, on était super content, on le mettait dans la caisse et on était super content du truc, quoi. D'accord. Parce que souvent, c'est délicat d'écouter ses propres trucs. Je ne sais pas si toi, parce que tu m'as dit que tu fais de la guitare, donc je ne sais pas si Oui, j'ai un c'est groupe, le même j'ai goût toute fait. l'année. Et on était super contents. Et on a trouvé que S'attendre au pire, c'était vraiment une grosse claque, quoi. Donc, Ça nous a plu. Et donc, moi, c'est mon morceau préféré. c'est ton Celle qui groupe. nous ressemblait le plus, quoi. D'accord. Et puis maintenant, j'aime bien c'est poser la question inverse. C'est quel est le morceau que vous aimez le moins sur votre CD? De l'EP, de l'EP, Voilà. c'est ça. Ah, c'est chaud. Ah ouais. On les aime tous, en fait. Ah bah c'est une réponse, hein. Tu peux très bien dire qu'il n'y a aucun morceau qui te déplaît. J'aime bien poser cette Franchement, il n'y en a question. aucun qui me déplaît, hein. Non, mais c'est pas déplaire. S'il y avait un ordre de préférence, c'est pas question de Ah déplaire. ouais. Ils me plaisent tous. Celui que j'écouterais peut-être le moins, je réfléchis, ça serait ouais, Rock and Vénère, peut-être. Voilà. D'accord. Le deuxième morceau que j'écoute, voilà, que je mets dans les moins bons, c'est péjoratif. C'est celui qui est dans la liste. Voilà, si je dois classer un ordre des morceaux, je le mets un 6. D'accord. Subjectif, hein. On va dire c'est. Honnêtement, moi je pourrais pas. Je les trouve tous bien. Après, des Ça fois, veut pas dire ça veut que pas je les dire que le trouve morceau va être tous. mauvais, hein. C'est que des fois, Ouais, c'est ce que je on a un disais. morceau, ouais, il est bien, mais bon, j'ai un peu moins bien aimé parce que là, c'était trop compliqué à jouer, ou finalement, peut-être qu'il tourne pas autant bien que je voulais, j'aurais peut-être plus la meilleure. Mais il y a beaucoup de réponses, c'est pas vraiment une question Ouais, que c'est. après, là où j'ai le moins de plaisir à peut-être à le jouer au niveau de la guitare, peut-être Rock'n Vénère, parce que c'est vrai qu'elle est elle envoie grave, hein. Par contre, on l'a faite en concert, en live, elle faisait bien bouger les gens, hein. Mais c'est vrai qu'elle est c'est la course à la guitare, c'est du début à la fin, c'est même la structure, la structure est spéciale. D'accord. C'est le marathon pour la.
Justement, j'aime bien poser cette question parce qu'elle est, c'est parfois une question piège, mais ça monte un peu aussi ce que tu disais avant, Gilles, un peu le côté critique, comment tu vois tes morceaux, et puis c'est toujours intéressant cette question. Il y a toujours des questions Ah, de savoir. on peut avoir l'esprit critique sans avoir Ouais. l'esprit de critique, hein, bien sûr. Voilà, effectivement. Et puis, bah, je te dis ça parce que tu vois, là aujourd'hui, j'ai un joli t-shirt Motorhead, et puis j'avais vu une Ouais. interview de Lemmy où il disait clairement qu'il n'a quasiment jamais aimé son un de ses tubes, c'était Ace of Spades. Et puis que j'ai vu que en fait voilà c'est un de ses classiques mais que en fait il n'aimait pas ce morceau voilà Pourtant, c'est leur plus connu. ouais voilà c'est un des C'est plus chaud. connus mais c'est pas forcément celui il l'aimait pas trop donc tu vois c'est voilà c'était pour savoir c'est pour ça que j'aime bien aussi poser cette question ça montre plein de choses donc là on a fait un petit peu le tour de l'EP on a parlé de la pochette donc la pochette vous l'avez fait vous-même avec le chanteur on a parlé un peu qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur l'EP avant qu'on passe sur justement les projets futurs donc les concerts peut-être les futurs compos est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter un peu sur le s'attendre au pire. Non, rien, qu'il est pas cher, 5 € c'est pas cher, Voilà. voilà. Effectivement, donc. Ouais. On va dire. C'est pas faites l'effort, mais soutenez-nous, soutenez les petits groupes. Ça représente pas grand-chose. 5 euros, c'est que dalle. Ouais, effectivement. Et vraiment, vraiment, ça nous permet d'avancer. Voilà. Le streaming, c'est bien, mais. Après, faut que ça plaise, quoi. Nous, si tu veux, quand on a vendu l'album, quand on met les trucs en vente, l'idée, on se dit pas, c'est pas pour gagner de l'argent. L'idée, c'est que ça soit diffusé au maximum. Ça va pas nous rapporter grand-chose, mais c'est que ce soit diffusé au maximum. Parce que le but, c'est que ça soit le plus écouté possible pour que ça nous amène le plus de monde possible au concert. C'est plutôt un D'accord. moyen de nous amener des gens en concert. Bon, c'est pas en vendant des EP à 5 € qu'on va se financer, voilà. Bah après, je vous expliquerai après, il y a des moyens de se faire. De nouveau, il y a des bons moyens de se faire, comment dire, diffuser, mais après, il faut passer par des agences de communication, et puis ça a quand même un certain coût. Voilà. Que tu dois payer d'abord, c'est l'histoire de s'attendre au pire, tu vois. Voilà. De le payer. Faut d'abord payer Mais pour alors, avoir peut-être un résultat. non, il y a tous les prix, je vous dirai après. D'ailleurs, Ouais, je vais voilà. peut-être une fois, justement, je garde un peu ça encore pour moi, parce que je vais peut-être faire une interview, justement, avec une agence. Voilà. Donc, bon, on a fait le tour. Donc, maintenant, on va parler justement des projets futurs. Donc, déjà, est-ce que bah, vous m'avez dit, il y a des concerts sous le feu, alors. Donc, vous avez déjà pas mal de concerts qui sont prévus. Ou bien, Ouais, vous pouvez nous. on a des choses, qui sont en cours. C'est Après, pas mûr. comment? C'est pas mûr. C'est en tractation, voilà, on sait que ça va se faire. Quant à finaliser le moment, sous quelle manière, avec quel groupe, tout ça n'est pas encore finalisé. Donc on ne peut pas dire là, voilà. Alors, par Mais en exemple, je novembre, vais ça devrait aller. Voilà. vous citer une anecdote. Je suis allé cet été au Festival 666 dans le D'accord. sud-ouest de la France. Et donc j'y suis allé avec Ben Tardif, hein, parce c'est quelqu'un avec qui on a fait un clip qui a un truc qui s'appelle BGP Live. Hein, donc on a été ensemble, parce qu'il est photographe aussi en parallèle, donc on a été ensemble et j'ai discuté avec le programmateur du festival et je lui ai dit que bah, j'ai je on souhaitait ouvrir son festival, un très très beau festival, hein, vraiment super sympa quoi. D'accord. Des grosses têtes d'affiche quoi, et voilà, donc on essaye de voir les gens en direct pour leur parler, donc je dois lui envoyer le clip plus le machin. Bon, l'objectif c'est d'ouvrir hein, le festival, hein. On n'est pas du tout Oui, bah, c'est. la prétention de faire la tête d'affiche. Et déjà dans un premier temps d'ouvrir des gros festoches, ça serait vraiment bien. Après au niveau des salles, on a des choses qui vont se déclencher au mois de novembre normalement, mais on préfère pas en parler parce que voilà, pour l'instant Pour c'est pas l'instant, encore sûr. Il faut savoir qu'on est dans une période, il y a un gros embouteillage là, hein. C'est la reprise. ouais, effectivement, c'est la reprise. Et puis tout le monde, Bon. tout le monde, beaucoup. Bah, en fait, nous, en tant que magazine, on a vu que. Bah, en fait, je me demande s'il y a eu vraiment un arrêt. Parce que si vous voulez, il y a eu. Oui, les concerts se sont arrêtés, mais les groupes, bah, comme ils jouaient pas, ils composaient. Et puis je peux vous dire que notre boîte mail, elle était remplie.
de demandes de chroniques. Donc, il y a eu énormément, énormément de Ouais. sorties d'EP, de singles, de... Voilà. Donc, on recevait comme presque 20, 15, comme 15-20 mails par jour pendant pendant les périodes de confinement. Donc, j'étais Il y a eu des complètement... lives Facebook, il y a eu des Ouais. lives en direct depuis les domiciles, même des Ouais. gros groupes ont fait ça, hein, Oui, où bah chacun, bon, ils Metallica, avaient des moyens techniques de le faire aussi, mais c'était pas mal. non, Ça effectivement. a permis à chacun de s'adapter, quoi. C'était assez marrant à voir. Justement, pendant le confinement, vous n'avez pas pensé, vous qui êtes prolifique, vous n'avez pas pensé à vouloir faire un live sur Facebook, enfin sur des Alors, plateformes. on avait déjà fait un live Facebook depuis la salle de répète. D'accord. Ça avait pas mal marché d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde. Après là, pour faire un live Facebook, il aurait fallu le faire d'un endroit où on était tous ensemble. C'était compliqué parce que, en revanche, pour faire un live Facebook où chacun est chez soi, il faut que tout le monde ait le matos pour, voilà, avec tout ce qui est nécessaire MIDI pour relier à l'ordinateur, qu'il n'y ait pas de latence, tout ça. Là, par contre, c'est une opération un peu plus compliquée Oui, et on a effectivement. techniquement, on ne pouvait pas le faire. Voilà. D'accord. Ok. D'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui nous regardent un peu ce soir, c'est que il y a quand même un petit peu de latence, mais bon, je vais changer de fournisseur de réseau à la fin du mois, donc j'espère que ça ira un petit peu mieux. Ou des fois aussi, c'est Facebook qui est pas très stable quand tu streams dessus, quoi. Donc j'ai remarqué, mais bon, voilà. C'est là qu'on nous avons le plus de monde parce que si on ferait un stream sur YouTube, on n'a que 20 abonnés, tu vois. C'est dur à faire à décoller les pages YouTube, je suis étonné. Plus facile sur Ouais. Facebook. Très bien. Oui, c'est vrai. Ouais, Facebook, ça marche beaucoup mieux que YouTube. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Et c'est ouais, parce que bon, tu as plus de contacts aussi, tu peux plus facilement ajouter des gens en amis pour les partager, effectivement. Oui, et puis il y a d'autres sujets. Il y a pas, alors que YouTube, c'est quand même très axé que vidéo, quoi. Que Tu vois, c'est vidéo. alors que. Justement, donc là, bah, vous avez alors des concerts. Est-ce qu'il y a aussi des concerts un peu à l'étranger qui se profilent, des tournées ou bien... Non, alors à l'étranger, il y a des envies de jouer à l'étranger, bien sûr. Pour l'instant, non, c'est pas dans nos objectifs premiers. Mais si on a la possibilité, la chance de pouvoir jouer vers chez toi, par exemple, Ouais, en Suisse, on n'est pas assez connu. par exemple, on filme tout de suite, quoi. Belgique, tout ça, les pays Ah ouais. francophones, quoi. Voilà. Et pourquoi pas même aller. Moi, j'ai des attaches au Maroc. J'ai plusieurs fois dit, mais j'aimerais bien amener le groupe là-bas pour jouer, même. Ouais, il paraît qu'ils ont une bonne Je sais scène qu'il y a un là-bas. festival. Il y a un festival à Casablanca, un festival de rock, etc. Donc, pourquoi pas même aller faire un clip là-bas. D'accord. Aller clipper dans les dunes ou dans les. Se taper un délire comme ça, quoi. Ça serait vraiment cool, quoi. Ouais, Voilà. effectivement. Bah, là, il y a Il y a aussi plein de... une petite question classique que j'aime bien poser. C'est dans quel endroit, quelle scène, quel endroit, ça peut être en France ou dans le monde, est-ce que vous rêveriez de jouer? Sur quelle scène? Ça peut être en France ou dans le monde. Pour toi, David? Je vais parler pour Mathieu, donc c'est le Hellfest. D'accord, Mathieu. Ouais, bah, Ah ouais, Mathieu quand qui nous a dit même, pour tout le bonjour. monde, tu peux parler là, je crois. Ouais. Ou le download, par exemple. Ouais. Dans quel endroit? Moi. Ouais, ça peut être le Hellfest, c'est une réponse, hein. Mais si t'as autre chose, tu peux le dire, hein. Ah, moi, je sais pas, je me verrais bien faire un live dans un endroit complètement paumé. Je sais pas, au milieu de la forêt. J'ai vu récemment une vidéo, là, c'était. Mais dans des endroits complètement. Ouais, après, bon, quand je disais endroit, c'est par exemple, ça pourrait être le Madison Square Garden à New York, Ah, ça pourrait être On chante en Paris-Bercy. français, on chante en français, je te rappelle. Voilà. Bah écoute, alors tu serais étonné, mais dans les pays de l'Est, le métal français, même francophone, fonctionne assez bien, hein. C'est vrai? Bah alors, bah, peut-être justement, bah toi, nous pourtant, on est francophone, on écoute bien de la musique anglaise, tu vois, moi je comprends pas plus l'anglais que tant, et puis. Donc je suis étonné, mais dans les pays de l'Est, tout ce qui est rock français, rap français ou même musique française, passe assez bien. Voilà. J'ignorais ça, tu vois.
Non, mais sinon, jouer, moi j'aimerais bien. Il y a des salles sympas à Paris. Hein. Ouais. Elle n'existe plus, c'est dommage. Il y avait l'Élysée Montmartre qui était vraiment top. Et puis sinon, le Bataclan, c'est une super salle. Hein. Mais D'accord. il y en a des salles où des groupes de ce style passent. Il y en a plein. Trabendo, il y a plein de chouettes salles. Hein. Paris, ça me déplairait pas, ouais. Ouais. Des petites salles de Paris, tu sais, des salles d'une petite salle de 2000 personnes, déjà, ça c'est super, quoi. Ça serait énorme. Ah oui, bah je pense que je vais se retrouver dans 2000 personnes, ça doit être impressionnant. Donc effectivement. Puis mais toi, sinon, ça serait quoi ton petit coin de rêve, enfin, où est-ce que tu aimerais te produire une fois dans ta vie? Ouais, il y a le Hellfest qui est Moi le énormément cher. Bataclan, ouais, moi le Bataclan, je Bataclan. pense, ouais. D'accord. Oh, après, bah, voilà, il y a. Ouais, le Bataclan, ouais, aussi, ouais. Le Bataclan, c'est. J'ai été voir 2-3 concerts, c'est vraiment une salle mythique, quoi. J'avais joué à une salle plus petite hein, qui s'appelait l'Amico, L'Olympia. maintenant ça s'appelle à l'Olympia, mais laisse tomber. Mais c'est sauf que le L'Olympia. style, il s'y prête pas. Oh si, remarque, il y a Ça eu. dépend, ça Ouais, dépend. Bah, ça dépend, ouais. j'avais été voir Massisteria pour Oui, c'est vrai, leur c'est concert vrai. là-bas. Je les ai vus plein de fois en concert, mais le concert qu'ils ont fait à l'Olympia, c'était. Je sais pas, il y avait un truc en plus. C'est l'endroit, etc. Même, ils ont joué dans des grosses, grosses salles. Celle-là, il y avait une adrénaline supplémentaire, il y avait un truc, quoi. Disons, David, Une qu'il y a une adrénaline, quoi. taille. L'Olympia, c'est mythique et c'est comme la Cigale. Là, je suis allé à la Cigale il n'y a pas longtemps. C'est la dimension de la salle déjà qui est correcte, ce qui fait que le son est nickel. T'es pas perdu au fin fond où celui qui est au fin fond de la salle et celui qui est devant, non, ben, ont des sons différents. Non, on a tous à peu près le même son. Le cadre, la Cigale. Tiens, voilà, moi je dirais la Cigale aussi. C'est une super salle. Voilà. C'est des salles entre 1000 et 2000 personnes. C'est des bonnes salles pour les concerts. Oh Mais ouais, bon, bah, moi c'est ça serait des bonnes sympa. salles. Non, tu sais, nous chez nous on a beaucoup de salles plutôt de 500-600 personnes, tu vois. Des salles de 1000-2000, c'est déjà des grosses salles pour nous, tu vois. Il va y avoir Puis des zéniths. J'imagine que vous avez quand même des zéniths. écoute, il y a pas la tant que Z, ça. il y a une grande salle, c'est la Z7 à Prattel, où je crois qu'on peut mettre 2000 personnes. Mais après, il y a des. Oh oui, après, il y a des énormes salles, mais. Comme l'Arena de Genève ou Ah oui, le forcément. Fosshaus. Mais là, ça devient des. Enfin, il faut quand même des Slayer, des Nightwish ou enfin, des gros poids lourds pour remplir, quoi. Ouais, c'est clair. Là, il faut. Ouais, il faut du Ah, monde, écoute, quoi. hein, Il faut du lourd. la Suisse, ça nous branche un fond. Vous êtes déjà venu en Suisse, même en vacances? Hein. Bah, écoute, moi, je suis passé en Suisse. J'ai été en Allemagne et je suis passé en Suisse en coup de vent, quoi. D'accord. À la frontière, quoi. Mais je ne connais pas la Suisse. D'accord. Je Je ne suis connais jamais allé en pas. Suisse. Je suis allé en Belgique, hein, mais je suis jamais allé en Suisse, non. Mais c'est pas D'accord. exclu parce que quand je vois les images, voilà. Et puis j'ai un copain qui habitait en Suisse pendant longtemps. D'accord. On dit que c'est un des plus beaux pays du monde parce que c'est très montagneux, Ouais. vert. Bon, Ça se voit, les images qu'on voit, c'est joli, c'est ah superbe. oui, c'est très joli. Bah, moi, j'habite au milieu des montagnes. Alors, c'est clair que le jour où vous venez de Paris et puis que vous allez dans les montagnes. Bah, bon, aussi au sud de la France, il y a des montagnes. Hein. Si vous allez dans les stations, on a la Haute-Savoie à côté, eh bien, effectivement. Bah, par contre, Après. faut savoir qu'en Suisse, le français n'est pas la première langue. Hein. On est la deuxième Oui, langue. bien sûr. La première, c'est le Schweizerdeutsch, hein, le suisse allemand, qui est un Ouais. patois dérivé de l'allemand, où c'est 67%, ensuite les Romands, on est 23%, ensuite il y a une Il y a les petite. Italiens aussi. Voilà, bah, exactement, le Tessin, où on parle italien, donc très joli canton vers le lac Majeur, tout près de l'Italie, et puis justement, il y a une dernière petite langue qui est un patois qui s'appelle le Romanche, qui est une espèce de mélange de français, d'italien et d'allemand, quoi. C'est très spécial. C'est parlé au Ça, je milieu savais des pas. montagnes, dans les Grisons, où il y a cette station de Davos, voilà. Mais c'est clair que c'est assez joli effectivement, à visiter. Même si c'est très cher, c'est très joli. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai des petites racines allemandes de par ma grand-mère. Je pense que l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de groupes qui se jettent à aller jouer en Allemagne, mais je pense que même en chantant en français, les Allemands seraient très, très, très réceptifs, quoi.
Alors oui, les Allemands, ils ont une énorme scène, hein. C'est impressionnant, Ah, c'est ils la sont plus grosse beaucoup scène plus de rock, ouverts quoi. qu'on le pense Ah oui. musicalement. Ils sont. Ah ouais, c'est l'Allemagne, c'est une destination pour faire des concerts qui doit être vraiment super, quoi. Ah oui, c'est l'Allemagne, et puis bah il y a aussi les pays de l'Est, hein, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Ouais, toute l'Europe, quoi. Ben d'ailleurs, si vous regardez le petit drapeau étoilé, en fait, moi j'habite dans la même région que le groupe Samael. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça me dit quelque chose, là, Samuel. Groupe Ouais. dark metal industriel qui est chez Nuclear Oh, Blast. t'as un drapeau Slayer aussi, si je crois, Oui, si je reviens hein. là, non? Ouais, alors ça c'est. Mais ben justement, ça me permet. Ouais, alors bon, moi je suis un très très grand fan de Slayer. Hein. Voilà, je suis un grand fan Ouais. de thrash, de death. Bon, après, voilà. Chacun ses styles. Justement, là, j'allais vous poser. Ben, ça me permet de poser la deuxième question que j'aime bien poser, c'est avec quel groupe rêveriez-vous de jouer en Ah. ouverture, par exemple? Ah, là, c'est direct. C'est trop redondant encore. Vas-y, Gilles. Non, non, toi, je suis curieux. Mais moi c'est Massisterium. Moi, je suis un gros fan. Moi, si j'ai la chance de les ouvrir, moi, pour moi, c'est bon. Je peux mourir un mois après. Ah, ça Ma serait vie ça serait pas mal, ça serait pas mal, est Massisterium, il paraît que Mission accomplie, quoi. c'est vrai que ça serait pas Mais mal. bon, c'est pas facile quand même. Hein. Et puis C'est pas pour facile d'ouvrir des groupes comme ça. Oh. Bah, C'est faisable. y a Après, voilà. Jérémy qui vous dit salut. Je lance un appel. Non, c'est vrai que je suis beaucoup en contact avec Ben Tardif. Et Ben Tardif connaît bien Massisteria. D'ailleurs, j'étais au Festival 666 en VIP avec eux et tout ça. J'ai discuté avec eux, etc. Mais c'est vrai que je discute pas mal, mais c'est vrai qu'ils ont atteint un tel niveau de notoriété que pour les. Voilà, c'est. Mais c'est pas impossible qu'on les ouvre pas à un moment donné. Si les étoiles sont bien alignées, ça va le Bah, faire. sinon, il faut organiser un concert avec eux. Je sais pas si ça se fait chez vous. Ouais, mais ouais, enfin, postuler en première partie, c'est pas facile parce que les salles généralement programment. Mais après, c'est une question de relationnel, je pense. Question relationnelle, quoi. Je sais même pas si eux, ils décident Non, de. c'est pas Non, eux qui. Non, c'est je pas crois pas eux que ce qui soit eux décident qui si décident. Non, non. se passe en première partie, quoi. À la limite, ils s'en foutent, quoi. Oh non, des fois dans les grands Mais des groupes, fois, ça dépend, des fois, c'est. Non, des c'est. fois, normalement c'est le tourneur, Voilà. et puis avec la salle, c'est des groupes locaux, hein. Puis encore, ça dépend. Des fois, le tourneur peut imposer un groupe, ou des fois, bah, moi j'ai un ami qui organise des concerts et puis qui mettait son groupe en première partie. Donc après, Ah oui, c'est Ouais, plus c'est ça. facile, Ah bah, hein. C'est quand on vrai. se paye son, quand on se paye son rêve un petit peu, c'est normal qu'on puisse y Voilà, participer, c'est tu vrai. vois. Ouais, c'est ça. De toute façon, on fait de la musique, c'est pour se payer des rêves, hein. C'est pas autre chose. Hein. Ouais, effectivement. Et Si puis on fait de la musique pour devenir riche, c'est même pas la peine. Hein. C'est bah faut quand faire tu autre chose. ouais, puis alors, surtout quand tu habites en Suisse, hein, je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de groupes en Suisse qui arrivent vraiment Ah, à il y a vivre. Jérémy, notre batteur, qui s'est Oui, connecté, ça y est. justement. Et lui, il répondait Gojira. Ah ouais, Gojira, alors Ouais. ça c'est devenu. Alors lui, ouais, je Ouais, comprends, mais ça, c'est vrai que c'est devenu le groupe français, hein, Gojira. ouais. Ils sont internationaux, Ah, carrément. c'est devenu un Tu regardes monstre. leur nombre de streams, c'est fou. Ah ouais, bon, mais Phénoménal. ça, c'est un très grand groupe. Bah, d'ailleurs, un très bon groupe, très grand groupe professionnel, hein, Gojira. Ils ont mis la barre haut, on va dire. C'est une machine. Ah, c'est une machine, effectivement. C'est une machine. Et puis toi, Gilles, où est-ce que tu aimerais. Avec qui, excuse, ça je t'ai posé avant, avec qui t'aimerais bien une fois partager la Ouais. scène dans ta vie? Ah, si, ça dépend si c'est du rêve peut-être accessible, Massisteria, pourquoi Non, pas? non, non, Peut-être mais accessible. non, non, que c'est un rêve, c'est un rêve. Hein. Si c'est Metallica, c'est Metallica. Hein. Tu Ah, peux. Ah merci ben. pour le Ah, ben... soutien. Comment? Merci pour le T'as dit. soutien. Ouais. Mais non, non, ouais, c'est un super groupe, moi j'adore Massisteria. Par contre, tu viens de le dire, moi c'était Metallica, mais attends, moi j'ai grandi avec Metallica, hein. J'adore, je D'accord. suis Donc, fan de ah non, mais Metallica. tu. Après, Alors, tu... j'adore, je trouve que leur relève, pour moi, la relève de Metallica, ceux qui ont pris le meilleur groupe metal depuis ces dernières années, que ce soit techniquement, au niveau de l'énergie, au niveau de tout, c'est Slipknot, quoi. On n'est pas dans leur style, hein, voilà, mais Ah ouais, Slipknot, c'est terrifiant. ah C'est bah terrifiant ce qu'ils font.
Ouais, Slipknot, ouais, effectivement, c'est aussi devenu un Il faut qu'il se monstre, trouve un Slipknot. batteur, hélas, maintenant, mais bon, c'est... Voilà. Bon, mais bon, ça... Non, le batteur, ça fait un moment qu'ils l'ont, Oui. le Ouais. duo. Malheureusement, oui, effectivement, il y a Joey qui est décédé à 46 ans, là, c'est pas vieux, hein. Ah, ils ont changé. Ça y est, ils ont trouvé un... Je savais pas, par contre. D'accord. Ils ont trouvé un autre batteur, Ah tu non, dis, non, c'est mais ça? alors, si tu veux, ça fait déjà plusieurs années que Joey Oui. Jordison n'est plus Ouais. dans... Parce qu'il avait chopé une maladie, et puis il pouvait plus Ouais, jouer de ça, je savais, batterie, ouais. et puis il voulait quand même attendre de se rétablir, mais le groupe voulait avancer, donc ils se sont séparés de lui. D'accord. Et puis ils ont Jay Weinberg, en fait, qui est un D'accord. batteur professionnel, qui a joué... Bah, alors, par contre, si tu regardes avec qui a joué Jay Weinberg, tu te dis, oh, tu vois, mais... notamment, si je me trompe pas, il a joué pour Bruce Springsteen. Ce jeune homme a un batteur assez... Alors, quand je voyais son parcours, je me suis dit, tiens, je suis étonné qu'il arrive dans Slipknot. Mais non, Bah, ça... tu sais, des fois c'est marrant les passerelles. Hein. Ouais. Comment il s'appelle déjà le guitariste de Rage, Tom Moreno, Tom Morello, pardon, qui est guitariste de Bruce Springsteen. Tu comprends pas très bien non plus. Hein. C'est quand même spécial, non? Ouais, effectivement. Les passerelles des fois sont étranges un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, quoique. Bah, alors toi, ça serait. Alors donc toi, ça serait Metallica, on pourrait dire. Si c'est dans Ah ta liste. ouais. Mais bon. Après, je les ai vus Metallica à Paris. Ils devaient avoir deux ou trois. Il y avait trois groupes de première partie, je crois. Deux ou Ouais. trois. Ben, le premier groupe, c'était un tout petit groupe local. Hein. Ils ont eu la chance de jouer au Stade de France avec des conditions scéniques énormes. C'était un groupe complètement très peu connu. Hein, tu vois, c'est donc. Ah si, ah si, si, attends, je vais te dire un truc, hormis ma sister, si. Alors, un grand qui, c'est ACDC. Alors là, c'est ACDC. Alors L'ouvre ça. ACDC, voilà, c'est. Bon, là, c'est maintenant, ça commence à devenir Ouais, compliqué, mais. mais bah Les bon, mecs, ils ils sont toujours jettent, là, hein. ils disent, allez, dégage, on veut ACDC, quoi, c'est bon. Bon, Ah non, quoi. mais ACDC, c'est monstrueux d'ouvrir un groupe comme ça, t'imagines, c'est. Ah oui, ça doit être impressionnant, hein. Il y a No One Is Innocent qui a ouvert ACDC au Stade de France. Mais Ouais. t'as l'impression que. Enfin, j'ai visionné un peu que No One est un tout petit groupe. Mais en vérité, c'est un tout petit groupe par rapport à CDC, quoi. Ah oui, bon, bah ça, c'est des légendes. Bah d'ailleurs, si tu veux, hein, une petite anecdote. C'est que le batteur d'AC/DC, Chris Slade, pas Phil Rudd, mais Chris Slade, aime beaucoup notre région, en fait, où on est, le Valais. Et il a des amis ici. Et puis, justement, il a un petit groupe de rock en parallèle. Donc, on a eu la chance de venir le voir jouer dans des petits bistrots, dans notre région. Donc, ça Chris fait... Slade, c'est le batteur original d'ACDC? Non, Tu dis... ça, c'est Phil Rudd. Ah non, Chris Slade, alors c'est celui qui a. Le Oui, celui c'est qui a le celui crâne qui est rasé. chauve, là. Ouais, Ouais, voilà. d'accord. Ouais, celui qui a fait Donington, alors. Voilà, exactement. Ouais, il a fait quelques années, et puis qui est revenu entre deux, parce que Phil Rudd, il s'était fait Oui, condamner. maintenant il fait des sessions. Bah, il est passé à Vauréal, au Forum de Vauréal. Il fait des. Ouais, il fait des trucs en Ouais, solo, mais là. c'est Ouais, impressionnant. c'est un batteur fantastique, hein. Ouais, très Ouais. sympa, mais c'est quand même assez impressionnant de le voir jouer dans des petits bars. Pour te dire. Ah Et le type joue... ouais. Tu dis, bah, attends, mais le type, il joue autant bien que quand il joue devant 300 000 personnes. Hein. Ouais, c'est pas la même énergie, c'est sûr que c'est autre Ouais. chose, quoi. C'est ça de leur manquer aussi, la complicité, c'est le public, il est immédiat, là, tu vois, ça doit être sympa aussi, hein, c'est autre chose, bien sûr. Je me souviens une fois, il y a quelques années, les Rolling Stones, ils avaient fait une tournée, ils avaient fait le Stade de France et le lendemain, ils faisaient une petite salle de 2000 personnes, je ne sais plus laquelle, où il D'accord. fallait, je ne sais pas comment tu décrochais les places, parce qu'ils avaient expliqué, c'était pour ça, pour essayer aussi d'avoir, de retrouver un peu d'intimité. D'accord, ouais, effectivement, parce que c'est quand t'es tout dans ces grands spectacles, c'est vrai que t'es loin des gens et puis tu te Ça rends doit pas être compte des gens, quoi. très impersonnel, tout ça, Oui. ouais, effectivement. Et puis sinon, bah, j'avais encore une petite question sur les projets futurs. Donc, est-ce qu'il y a déjà des nouvelles compos qui sont prévues justement pour un futur album? On en a finalisé une Oui, on quasiment t'entend. là, ouais. On en a une qui est finalisée quasiment, voilà. Et puis on va à notre rythme, quoi. Mais au rythme de quoi? D'un morceau tous les mois, je sais pas, moi, un Oh, truc comme ça. bah, Ouais. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, est-ce que cette fois vous avez visé un album ou vous pensez repartir sur un EP? Non, non, non. Là, C'est c'est un pas. album. Non, attends, David, on sait pas.
Voir, Disons, faut voir, tout dépend de. faut voir, mais dans la logique des choses, ça serait de faire un album, c'est clair. Après, Je sais. c'est vrai que la dernière compo là qu'on est en train de pondre, elle va être vraiment vraiment sympa. Hein. Il y a des influences, il y a des influences Gilles de Nine Inch Nails. Ouais, moi je trouvais, Il ouais. y a Ça des, il y a faisait des Nine Inch Nails, ouais. Dans les arrangements à la fin, là, on commence à faire des trucs vraiment, vraiment sympa, quoi. Et c'est pas redondant, ça ressemble pas à ce qu'on a fait avant. Donc, On est toujours assez un petit peu étonné quand on fait. Ça fait. Je veux pas que ça fasse. Bon, attention, mais vraiment, c'est comme ça, c'est un sentiment. On est souvent étonné quand on vient de faire un morceau du résultat. On se dit, mais ça ressemble pas à tout ce qu'on a fait avant, à chaque fois. Donc, bon, il y aura bien un moment où Bon, ça va passer, ce truc-là, hein, mais on est ça. toujours étonné. Voilà. Bah, de ce que j'ai Et puis il écouté. y a une marge de progression aussi, Oui. hein, quand même. Hein. Bah, on va dire que ça ressemble pas, mais il y a quand même un certain fil rouge, quand même, qui se suit. Même si ça ressemble pas, ou vous amenez de la vérité, il y a quand même on sent quand même une certaine ligne, parce que t'as des groupes qui. Si t'en Metallica, t'as des groupes qui partent dans beaucoup de sens, et puis. Bah, disons que pour la suite, on va essayer justement de tenter des choses. Moi, je suis complètement musicalement très très ouvert. Je serais même presque à la limite pour faire une chanson avec une folk et une guitare électrique, tu vois. On pourrait très bien tenter des choses différentes. On n'est pas forcément obligé de rester dans du lourd, hein. On peut tenter d'autres choses aussi. Ajouter une voix Bon. féminine, par exemple, pourquoi pas? Mais complètement. Non, De c'était toute une façon. proposition, par exemple. Ouais, non, mais c'est bien, Non, mais c'est bien, c'est bien. il y a aussi peut-être faire ouais des comment s'appelle réunir Featuring. un faire un featuring. On est copains avec des groupes. Il y a des super groupes dans le Val d'Oise. Il y a Down Trigger qui répète avec nous. Ils ont joué, ils sont énormes en concert. On est copains avec Raga Raja aussi. Ouais, pourquoi pas faire des featuring avec des Ouais, mecs comme ça aussi. ce serait des idées. Il y a une scène émergente là en plus. Là, ça bouge énormément. Il y a pas mal de choses qui se structurent dans le Val d'Oise. Il commence à y avoir des crews qui se montent. Et puis, Donc, en plus, étant proche de Paris, ça laisse quand même un bon réservoir de musiciens à disposition, je pense aussi. ouais. Ça, c'est un peu ce qui Ah nous ouais. manque. C'est un peu ce qui nous manque par chez nous, on va dire. Ouais, y a nous ça bouge beaucoup dans le Val d'Oise. Hein. Il y a Bukowski, il y a même un qui s'appelle Dealer de Métal là, qui a fait un petit peu le buzz avec sa page YouTube. Beaucoup de gens le suivent. On est vraiment dans un bon endroit pour s'éclater musicalement. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas dans un petit coin paumé. Enfin bon, c'est T'as Gojira vient d'un petit coin paumé, hein, tu vois. Ils ont ouais. grandi les trois ensemble, hein, tu vois. Le groupe mythique Magma, il est originaire d'ici. Magma. Je Je sais sais pas pas. si. Magma, c'est un groupe français qui est. Un groupe Je sais pro, pas c'est si du ce... progressif. C'est du progressif. Ouais, c'est des progressifs. Ils sont d'Île-de-France, mais je sais pas Ils s'ils sont sont. du Non, Val non, si, d'Oise. si, ils sont d'ici, ils sont à côté de Ah, d'accord. Saint-Loup. Ah, d'accord, je savais pas. D'accord. Il y a plein, plein, plein de groupes dans le coin, c'est génial. Ouais. Donc voilà. Et là, en ce moment, ça bouge, hein. Ça bouge. Il y a plein de groupes qui se mettent, qui se lancent, etc. Alors que maintenant, faut qu'il y ait plus de salles. Ouais, alors ça, Taille, c'est... plus de salles de taille intermédiaire pour faire jouer tous ces groupes-là. Parce que les festivals, apparemment, ça marche bien, mais il faudrait aussi qu'il y ait plus de salles de taille moyenne, quoi, on va dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça court pas les rues. Hein, Ouais, effectivement. Surtout avec la période Covid, je pense qu'il y a même des salles qui se sont fait décimer. Bah ouais, il y en a qui ont fermé.
parce qu'ils n'ont pas eu, malheureusement pas eu les reins, malheureusement pas eu les reins assez, ils n'avaient pas les reins assez solides, donc voilà. Donc là, Faut bah, qu'il y ait ils... faut que la confiance revienne aussi, hein, pour qu'il y ait des gens qui se lancent dans des projets. Il faut parce que si on repart dans 5-6 mois dans des catastrophes, les gens vont pas prendre le risque de monter Ouais, justement, il y a, y des a... projets. Ouais, les gens sont... Ouais, je vois beaucoup de tournées qui ont été repoussées, des tournées qui sont prévues pour 2023, notamment avec des bons groupes, là. Donc, on verra Là, ce que ça donne. ça a l'air de bien repartir quand même. Ouais, bah, espérons qu'on revient à la vie normale, quoi. Parce que si on nous aurait dit en 2015, 2016, bah, les gars, dans 5 ans, ça va être le bordel comme ça, on se serait cru dans un film, hein. Ça me fait C'est penser un ça. peu le film avec... Le film Alerte. américain. Bah, je sais pas si je crois que c'est le film Alerte où il y a un virus qui se propage. Je crois que c'est avec Richard. Putain, j'ai un C'est blanc ça. maintenant. C'est avec Richard Gere, je crois. Hein. Non, non, c'est avec. Ouais, j'ai un Je vais blanc. trouver le nom. J'ai oublié. C'est celui qui jouait dans Madame Du. Mince. Kramer contre Kramer. J'ai oublié le nom. Ouais, je vois Ah, ça l'acteur. m'énerve. Ouais. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ça y Voilà. est. On Dustin m'a Hoffman. soufflé, on m'a soufflé. Voilà. Bah on se croirait un peu dans ce film-là en ce moment. Hein. C'est ça, c'est de la science-fiction, là, ce qu'on a vécu. Ouais, on se croirait vraiment dans un film à l'américaine. Non mais tu sais, mais Ah ouais, c'est au tout début c'était marrant parce qu'au tout début il y avait le virus qui arrivait, bon. Et puis de plus en plus il y a ces séries là, ces séries un petit peu où c'est la fin du monde, les séries survivalistes, il y en a plein avec les zombies et tout ce que tu veux. bon. Ouais. Et à un moment donné sur le virus, la question s'est quand même posée. Ils commençaient à se dire, mais on n'a pas de traitement et a priori on trouvera rien. La question se posait sérieusement chez certaines personnes. Il y avait un doute sur le fait, est-ce qu'on va y arriver quoi? Ouais. Au tout début, hein. Et il y avait à un moment donné certains qui disaient, mais attends, est-ce que là, il n'y a pas un gros problème, quoi? Donc ça a finalement tourné bien, on espère que ça va durer. Mais il y a eu une époque où des fois, il y a quand même eu, bon, on ne savait pas trop où on allait, ouais. C'était rigolo, enfin rigolo. Ouais, Il mieux le prendre mais en rigolant, quoi. ouais, effectivement, comme tu dis. Bon, bah écoutez, Bon. monsieur, ouais, tu voulais dire, David? Non, non, mais moi je pense que la période qu'on a vécue là, depuis quelques années, on sentait que quelque chose allait se passer, quoi, qu'il y avait des risques de virus. Enfin, moi je pense que voilà, ça sentait pas très très bon depuis quelques années. Il y avait Ebola, c'est Ebola? Ouais, mais c'est très... Bah, c'est Ebola, mais c'est très localisé. attention, Mais Ebola, c'est c'est très loin. localisé. Non, par Gilles, c'est contre, très localisé, mais tu sais, ça peut partir en cacahuète. Regarde, c'est parti en ouais, bon, cacahuète. attention, Ebola, je veux pas, enfin, je veux pas jouer les gens qui effraient, mais le Covid, c'est de la gnognotte comparé à Ebola. Ebola, c'est après 2-3 jours, Oui. si tu fais pas soigner, c'est Ouais. 95% de chances de mourir, hein, et puis d'être souffrant. Celui-là, le taux létal, il est énorme, hein, c'est pas... Ouais, il est de 30%. Il est de 30% et c'est d'ailleurs ce qui nous sauve, c'est-à-dire que il n'a pas le temps de s'étendre justement, parce que il n'est pas dans des grosses villes, il est dans une vallée, Ouais, voilà, en Afrique, voilà, à ouais, côté c'est en d'un Afrique, quoi. fleuve. Donc, Ouais. Ouais. c'est grâce à ça, c'est parce qu'il n'est pas dans une grosse ville et surtout la mortalité est tellement rapide qu'il n'a pas le Ah temps de oui, s'étendre. c'est après C'est deux ça trois qui sauve jours, un peu. Ah on est quasiment foutu, hein. Après 2-3 jours, t'es foutu, hein, on dit clairement. Donc, ouais. il va assez vite. Puis je Il va crois. venir. Il va venir le virus qui transforme les gens en zombies, c'est Ouais, sûr. alors ça sera Gilles, j'ai On ma connaît cousine. le remède. On connaît le remède. Faut viser la tête, c'est tout. Ouais, J'ai ma cousine qui suit le forum, là, ouais, elle est fan très de identique. zombies. Ouais, bah ça fait Ben ouais, penser. moi aussi, Ça tout va le lui monde. plaire qu'on parle de zombies. Bah si elle a fait la série des jeux vidéo Resident Evil, c'est le T-virus, le virus T qui transforme en zombie. Ça, ouais. Ah ouais, Ça se trouve, c'est mortel. on est déjà tous des zombies. Ouais. Bah il y avait un comique belge qui avait comment il s'appelle, Pablo, je crois, qui avait fait justement une vidéo comme ça où il dit, mais non, mais le virus va pas nous transformer en zombies, puis tu mets 2-3 jours après, les zombies sont là, ils attaquent. C'était assez comique. Donc voilà. Bah écoutez, ça fait une bonne heure 20 qu'on est ensemble. Moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Donc est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez rajouter sur le P, votre P qui est sorti aujourd'hui?
Non, ben on invite tous les gens à aller l'écouter. Hein, Ouais, donc il y a des liens sur donc le. à la curiosité d'écouter notre musique et puis de la partager si ça les enchante. Voilà, Partagez, nous. abonnez-vous, likez, voilà, Ouais, tout ça qui est. voilà, suivez-nous. On est hyper motivés dans ce groupe. Donc voilà. Donc là, c'est en train de repartir. Notre objectif, c'est de venir à la rencontre des gens, de venir s'éclater, que ce soit dans des festoches ou que ce soit dans des salles underground. Au contraire, on kiffe aussi on a envie de jouer dans des endroits complètement paumés, quoi. Donc voilà. Voilà, partagez, écoutez-nous, et puis si le cœur vous en dit, achetez notre EP. Voilà, et puis merci pour tout, hein. Bah, merci à vous d'avoir pris du Et temps à pour notre l'Alliance projet. Mag. Bah, merci Super à sympa le jour de la sortie, voilà. vous. Ouais, bah, Cool. c'est comme je t'avais dit, au début, on voulait faire le 16 septembre, mais j'ai dit, écoute, si ça sort le 2 octobre, bah, autant faire un petit exclu le jour de la sortie, c'est plus sympa. Ah ouais, c'est sûr. Alors, bah, Et écoute, puis bah, écoutez, bah, mieux. j'espère que bah, l'EP va bien marcher, qu'il va bien se vendre. On se tiendra au jus. Et puis bah, abonnez-vous aussi à notre page, comme ça, comme j'ai dit, C'est Metal fait. Alliance Mag, bah, là, on suit les gros groupes, Ouais, mais puis on te partagera notre ouais. clip. Éventuellement, je sais pas Oui, si oui. tu auras la possibilité de le partager aussi. Oui, alors, oui, mais Ah. alors, si jamais, envoyez par mail, parce que Facebook Feed Ah bah par Business, c'est une mail. catastrophe. Ouais, bien sûr, par mail, on fait comme ça. C'est plus facile par mail, parce que je suis pas satisfait. En Et fait, je loupe la moitié des messages là-dessus. Voilà. y a aucun problème, on t'envoie ça. Non, on arrive à faire une petite news, comme on dit. Bah moi, comme j'ai aussi un petit groupe, le but, quand on a créé ce magazine qui a bientôt un an, dans 18 jours, on va faire quelque chose pour les 1 an du magazine, qui sera peut-être un futur magazine papier, si Ah, tout va super. bien. Si tout va bien, donc on a des projets aussi de papier, mais allons voir. Donc nous, bah, le but, c'est supporter bah, les petits groupes des scènes locales, donc francophones, de la Suisse, de la France, de la Belgique, du Québec. D'ailleurs, c'était la dernière fois C'est que c'était un groupe ça. québécois. Donc on essaye de vous mettre en avant après, bah, voilà, tout en suivant l'activité. Si jamais bah, des gens regardent, nous cherchons des passionnés pour devenir chroniqueurs. Donc si des gens sont intéressés, des passionnés, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous écrire. Si vous en connaissez, bah, volontiers, parce que on est beaucoup frustrés, parce qu'on justement on reçoit des centaines et des centaines de mails, de promotions, de plein de bons groupes, mais malheureusement on n'arrive pas à prendre tout le monde, quoi. Mais voilà, plus on sera de fous, plus on rit. Donc si y a des passionnés ce soir qui regardent, et bah, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire pour rejoindre le magazine, quoi. On est une bonne équipe. Et puis voilà. Cool. Et puis bah moi je vous souhaite plein de succès pour les futurs concerts. On se tiendra au courant. Et puis voilà, je vous Merci. souhaite une bonne soirée, messieurs. Merci. Bonsoir à toi, salut, et salut à Salut. ceux qui ont... Ciao, ciao. Salut.